Bonjour, nous sommes à Chérué, un endroit du littoral breton où la mer se retire si loin qu'on peut partir à 7 ou 8 km pour pêcher à pied. J'ai mis mes bottes, je suis un petit peu en retard, la mer elle court à 50 km/h par endroit ici, alors j'y vais vite. Jean, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pêcheur à pied, c'est ça? Tout à fait. Et Louis, nous sommes sur quel site? Donc ici, nous sommes sur un site remarquable qui s'appelle le Banc des Hermelles. C'est un site classé et donc c'est un endroit où les nombreux pêcheurs et touristes viennent fréquemment et ça donne à cette pêche de loisir où ils peuvent ramasser des palourdes, des coques, des praires, des huîtres. C'est ce qu'ils sont en train de faire et il y a des consignes à respecter, il y a des règles à respecter. Tout à fait, même si l'estran est ouvert à tous, il faut le dire que nous sommes soumis à une certaine réglementation portant principalement sur les quotas et les tailles. Pour préserver le site en lui-même, c'est-à-dire le banc des Hermelles, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Disons que nous invitons les nombreux pêcheurs et touristes à ne pas dégrader ce site en leur demandant de pêcher dans les ruisseaux. D'accord. Alors vous êtes parti pour quoi là exactement? Alors donc moi je m'apprête à partir donc à la pêche à la crevette rose. Bon, on va laisser Jean avec ses crevettes et on va poser quelques questions à des pêcheurs à pied. Bonjour, vous vous appelez comment? Aimé. Aimé, comment est-ce que vous pratiquez vous la pêche à pied? Au râteau. Au râteau. Et alors vous emmenez toute la petite famille avec vous? C'est-à-dire c'est ça? Moi je suis de Nice, quoi. Je suis d'accord. Là en vacances avec dans la famille justement. D'accord. Et c'est ma tante qui m'a accompagné justement. À nous faire découvrir la pêche à pied. Et c'est elle la grande spécialiste. Donc. C'est elle la grande spécialiste. Waouh, une belle huître. Il y a des huîtres creuses. Mm-hmm. Il y a des palourdes. Alors vous venez de Polynésie? Oui. Ça fait quoi de voir la mer se retirer comme ça? Je suis surprise et impressionnée, quoi. Dimanche, on part à la pêche à pied. J'ai jamais fait ça, quoi. Nous, chez nous, c'est la pêche au poisson. Ouais, voilà, ouais. Et puis, il n'y a jamais ce phénomène-là de... Non, il n'y a jamais ce phénomène-là de retrait de mer sur des kilomètres, quoi. Notre ami Louis est de retour. Alors, Louis, cette pêche? Oui, ça a été une assez bonne pêche. Une assez bonne pêche, on peut regarder? Oui, vous allez pouvoir regarder. Ah ouais. Bah, viens voir. Voilà, là-bas. Là, je suis allé spécialement au bouquet, à la crevette rose.